Bien, bonjour tout le monde, c'est Nettoie HD et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo exceptionnelle, juste fantastique, juste énorme, ouais, ça commence bien. Alors, on est sur FIFA 13 et pourquoi je suis comme ça si heureux, si jouissant, si merveilleux? Eh ben, c'est tout simplement car mon petit Dan, Dan quoi, il m'a dit que quand je commentais, j'avais un ballon, un bâton dans les fesses. Et donc il m'a dit de pas être comme ça et il avait l'impression que j'étais triste. Et ce n'est pas du tout le cas, car aujourd'hui je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo juste énorme. Et toujours les gens qui font chier à vous envoyer des messages quand vous jouez et ça gâche tout, voilà. Alors peut-être vous l'aurez remarqué au son de ma voix, peut-être vous l'aurez pas remarqué, peut-être vous l'aurez remarqué, mais j'ai un nouveau micro et une nouvelle façon de commenter. Donc les choses vont ensemble, l'une s'achète, l'autre ne s'achète pas, mais voilà, c'est comme ça, tout simplement. Donc dites-moi si vous aimez bien mon nouveau micro, que vous trouvez qui fait une qualité bad ou pas bad, si vous préférez l'ancien ou pas l'ancien. Et voilà, et tout, voilà. Alors, désolé, je suis toujours enrhumé, mais entre toutes ces vidéos, j'ai pas le temps de me soigner. Voilà, donc aussi le match, je suis pas très fort à FIFA, hein, faut le savoir. C'est en semi-pro, le match dure 8 minutes. Et voilà, je suis un peu nul à FIFA. Donc, ne me grondez pas, voilà. Voilà, je suis juste nul. Je vous le dis maintenant, comme ça, vous le savez. D'ailleurs, vous le verrez, hein, je fais des trucs, c'est... Waouh! Même à 5 ans, je faisais pas ça. Non, quand même pas, mais bon. Donc là, j'étais à fond dans le truc, je disais plein de trucs et tout à fond. Et là, je sais plus ce que je veux dire. Voilà. Mais c'est pas grave, moi je suis très content de vous faire cette vidéo, en plus j'ai la patate grâce à Dan, bah oui, sans toi gars, et ben j'aurais pas ça, voilà. Si vous le savez, peut-être que vous le savez, peut-être que vous le savez pas, mais si vous le savez pas, ce qui est sûr c'est que vous devez le savoir. Voilà, donc je vais bientôt faire une vidéo sur GTA V. Une vidéo sur GTA 5, non, je ne jouerai pas à GTA 5, je ne suis pas je fais pas partie du studio Rockstar, mais tout simplement que il va bientôt sortir, enfin bientôt au printemps, hein. Tout simplement, je voulais faire une vidéo un peu le topo de ce qu'il va y avoir sur ce GTA 5, car il m'intéresse vraiment. Je suis un grand fan de GTA. Donc je les ai tous eus sur PS2 quand j'avais 6 ans. Oui, je le prenais à mon papa. Voilà, et puis je l'ai aussi sur l'iPad. Et donc ça, c'est juste super. Et j'espère qu'il sera peut-être sur iPad ou voilà. Mais en même temps, si sur iPad, ça veut dire qu'il est peut-être pas super super. Donc voilà. Mais bon, il promet de promettre. Il promet de promettre. voilà, donc si vous n'avez pas reçu ce message, donc la petite butte, si vous n'avez pas reçu le message disant que je fais une vidéo sur que je vais faire une vidéo sur GTA 5 et que j'aimerais votre avis et tout, et ben vous m'envoyez un message privé, dites ce que vous pensez, si vous avez acheté ou si vous n'avez pas acheté. Dans les deux cas, c'est important car je fais une étude sur la population. Vous voyez, je me prends pour l'INSEE et alors non, voilà. J'aimerais bien savoir votre avis, même si vous n'y jouez pas, vous me le dites, ça m'aidera dans tous les cas, voilà. Ensuite, si vous êtes au courant de certaines infos, vous me les faites passer. Par exemple, il y en a un et je le remercie de cette info car je l'ai eu nulle part ailleurs. Il va y avoir les chiens sur GTA, donc merci à toi. Donc c'était un gars de la team Bab, Babfly. Voilà, donc après le message, je le mettrai dans la description que j'ai envoyé à tout le monde et vous pourrez répondre dans les commentaires ou m'envoyer un message privé pour savoir de quoi ça parle. Voilà, donc pour une fois du Call of, commenter du FIFA, ça change un peu. Surtout que ce match est vraiment pas mal, plein de retentissements, plein d'événements super. D'ailleurs, je me suis pris un but tout à l'heure. Enfin, je vais me prendre un but un peu débile tout à l'heure. Voilà, mais c'est pas grave, hein. C'est moi tout simplement.
Donc là, on est déjà à 5 minutes de vidéo. Je sais jamais ce que je dis après. Tu vois, j'ai balancé tous mes trucs et après, je suis là. Qu'est-ce que je dis? D'ailleurs, mon ordi se met en veille. C'est vraiment pas bien. Voilà. Donc, hein, comme d'hab, hein, si vous voulez m'ajouter sur le PSN, vous le faites. Vous dites que c'est vous. Sur la PS3, pardon. Sur le PSN, moi, je suis foutu. Voilà, vous me le dites, vous me le faites savoir. Et je vous ajoute et on se fait des petites parties freestyle et tout ensemble pour bien s'éclater tout simplement. Donc là, il faut que je trouve un sujet là, faut que je trouve de quoi vous parler, de quoi je vais vous parler. Ah oui, donc j'ai pas présenté le truc et tout. Donc je suis sur FIFA 13, hein, vous l'aurez marqué, je suis pas sur Rayman. Voilà, donc je sais pas pourquoi je dis Rayman, hein. Je vais pas dire Call of Duty. Ça, voilà. Tout simplement, c'est l'équipe de Barcelone que je dirige contre l'équipe de Manchester City. Donc, deux équipes, l'une des deux meilleures équipes du monde. D'ailleurs, Manchester, on n'en entend pas beaucoup parler. Mais oui, c'est l'une des plus grandes équipes du monde, l'une des plus fortes. Avec les personnalités, des fois, pas souvent connues. Mais moi je le sais parce que je les connais pas moi-même, donc voilà, je vais rien vous apprendre. Moi le foot, ça fait un moment que j'ai largué, j'y jouais, j'avais 7 ans et j'ai arrêté, j'étais en 5e, donc 5e, je sais pas quel âge j'ai en 5e, je dois avoir, attends, mon frère il a quel âge? Voilà, 12 ans, 11 ans, 11, 12 ans, voilà, j'ai arrêté le foot, ça m'a saoulé. Voilà. Donc la petite but de Messi. Donc là, quand j'ai, tu vois, j'allais faire la passe à l'autre à gauche, mais je me suis dit, j'ai Messi si je marque pas. Si je marque pas, c'est pas Messi. Et donc je suis allé, pouah, il marque. Donc je sais pas comment il fait, petit pont au goal. J'ai jamais vu ça. Franchement, donc soit c'est un bug de FIFA 13, soit FIFA 13 est vraiment bien fait. Donc on sait pas trop. À mon avis, c'est FIFA 13 qui est vraiment bien fait. Et voilà, donc toujours ma télé pourrie en 780p qui fait des graphismes dégueulasses. Donc ça m'énerve parce que j'ai un HD PVR qui enregistre, donc comme il est indiqué, hein, en HD. Mais j'ai pas des vidéos HD. Voilà. Donc ça m'écœure vraiment. Et donc, j'espère que ma télé va lâcher, comme ça j'achèterai une autre télé. Non, voilà, j'espère qu'elle va pas lâcher l'autre, parce que sinon je suis dans la merde, je ferai plus de vidéos. D'ailleurs, là, pour recadrer le truc, c'est affreux, puisqu'en fait, vous voyez même pas le score et tout. Donc là, vous voyez, je sors mon gardien. Et comment dire? Comment dire pour pas spoiler? Eh ben, tout simplement, ne rien dire. Donc, vous voyez, là, j'ai chaud, je récupère la balle. Lui, pouah, il tire. Par chance, il ne la capte pas. Je récupère la balle. Et là, et oui, c'est la façon que vous n'aurez même pas imaginé que comment il marquerait le but. Vous avez dit, ouais, il va tirer comme ça, il va marquer, c'est bon, il a marqué. Et tout, il est foutu. Et ben non, c'est en récupérant la balle comme ça. En fait, à la base, il faut savoir que je voulais tirer derrière moi, lequel il n'a pas tiré parce que j'ai fait carré peut-être. Et voilà, donc ça a tout simplement fail. Et là, donc j'étais énervé, j'arrive. Et je tirais, ce n'est pas le but. Enfin, si, c'est le but, merde. Ben, gros fail, hein, c'est pas grave. Donc, ça, si vous savez pas, c'est le commentary de début. Donc, là, le joueur, je le fais courir partout, ça m'a éclaté, ça c'est bien. On peut faire courir les joueurs lors des moments où tu peux les faire courir, en fait. Voilà, donc là, c'est l'enregistrement de test. Et donc je sais pas si je le mettrai sur YouTube ou pas, donc peut-être que je le mettrai. Ce sera bien frais en tout cas si je le mets. Et voilà, donc là vous voyez, j'ai découvert comment on prenait le goal. Donc là ça m'a vraiment éclaté en fait. Et j'étais ça m'a vraiment fait triper. Voilà, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, s'il vous plaît, car à la fin de la vidéo, il y a un truc très drôle. D'ailleurs, le prenez pas mal de ce qu'il a écrit, parce qu'il ne faut pas, j'ai écrit ça comme ça, parce que la dernière fois, j'avais vu qu'il y avait ce mot d'un coup qui était mis comme ça. Bon, voilà, c'est de la merde ce que je dis, je spoil un peu. Voilà,
Donc, Dan, j'espère en tout cas que tu es content du commentaire que je fais, que tu n'as pas l'impression que j'ai un bâton dans les fesses, enfin un ballon, non pas un ballon, un balai, j'y arriverai jamais. D'ailleurs, tu me l'avais déjà dit une fois, je pensais que tu disais ça pour, excusez-moi, rigoler, même mon frère me l'avait dit, mais je pensais que c'était... Enfin, je le prenais pas forcément au sérieux. Et donc, au bout d'un moment, je me suis, j'ai essayé de plus en plus de faire des commentaires. Désolé. De faire des commentaires où j'étais tout simplement plus à l'aise, où je me lâchais un peu plus. Mais j'ai découvert qu'en fait, j'y arrivais pas. Et donc là, je me suis vraiment décidé de m'y mettre. J'espère que ça vous a satisfait à voir le fait que j'arrive plus à parler. Donc petite coupure de micro hein, pour éviter que je vous bousille les oreilles comme à Dan tout à l'heure. Ça revient, j'ai encore envie de tousser. Je vais essayer de m'arrêter ici. Enfin de m'arrêter là, de tousser. Donc à la fin j'aurai le bas le. En fait maintenant. Vers la fin, là, le balai, il est plus dans le cul, il est dans le nez, dans la gorge, partout. Et pas dans le cul. Désolé, j'ai vraiment toussé là. C'est affreux. Bon, ben, c'est... Je pense que je mettrai le commentaire parce qu'il est pas mal. Il me fait pas mal kiffer. Je démarre, je suis à fond dans la vie, je suis à fond dans la vidéo et tout, je suis motivé et tout comme une bête. Et puis vers la fin, en fait, je tousse et je suis trop mal quoi. Voilà, donc je vais essayer de vous lâcher un peu plus de vidéos car là, la dernière vidéo, je l'ai postée quand? Lundi? Ouais, peut-être lundi. Et voilà, donc je trouve que c'est pas bien et pour YouTube, comme Tixas m'avait dit, il faut travailler, travailler, travailler. Donc c'est ce qui veut dire faire des gameplays, faire des gameplays, faire des gameplays, des commentaires, tout ce que vous voulez être le plus original possible. Donc là j'ai essayé en vous présentant un match, tout simplement on peut le dire de ouf. Non c'est peut-être pas le mot mais... Voilà c'est un beau match. Et comme vous voyez... la vidéo touche à sa fin. Donc je vous montre le petit message que j'ai mis. Pour vous dire voilà que je vous aime. Donc j'ai pas trop réussi au début mais voilà. Alors ce message dit tout simplement que je vous aime. Les gars, je vous kiffe, tout ce que vous voulez. Likez cette vidéo, commentez. Allez, salut à tous, c'était NettoHD, ciao à la prochaine les gars. Les filles, tout ce que vous voulez, je vous aime.